Salut les amis, j'espère que vous êtes prêts et chaud patate pour cette troisième séance de Youboon où ça va rebondir, transpirer et picoter comme on aime, mais au moins on aura des résultats et on se sentira beaucoup plus fort après. Et après l'effort, le réconfort bien sûr. Donc je vous dis à tout de suite pour le même déroulement des autres vidéos, l'échauffement et les différents exercices. Et je vous expliquerai de toute façon comme je fais d'habitude, petit à petit les exercices et les réaliserai avec vous bien sûr. Allez, je vous dis à tout de suite, on se retrouve. Prendre l'habitude du trampoline. Maintenant, on va faire des bonds sur le côté. Deux, deux.
Exercice, ça sera des genoux. Il y aura 4 singles et 4 doubles. Donc je vous le dis au fur et à mesure. Ensuite, par la suite, on fera 2 singles, 2 doubles. Et enfin, après on verra. Mais généralement, ça va être ça. Ça va être 4 singles, 4 doubles et 2 singles, 2 doubles. Mais ça, je vous le dis au fur et à mesure. Il y aura des variations, bien sûr. Mais ça, c'est moi, je vous guide tout au long. On se retrouve. Vous êtes prêts, vous êtes chauds. C'est parti pour le premier exercice. On se connecte. Deux,
single, doux. Single, single, doux. Doux. Single, single, doux. Doux. Ok les amis, deuxième exercice, un peu cardio aussi, écart serré. Donc ce qu'on fait au début de l'échauffement, écart serré, revenir au milieu de la toile et start à la toile, ok? Il y aura ça, ça sera deux doubles et quatre singles, mais je vous le dis au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Il peut arriver que je me mélange les pinceaux, mais normalement ça devrait le faire, donc soyez indulgents si jamais je me trompe, ça arrive, je vous rappelle que compter et faire l'exercice et en même temps donner des conseils, c'est un peu compliqué. Même les pros des fois se trompent, donc soyez indulgents, je vais essayer de faire le mieux possible, mais on est parti pour ce deuxième exercice qui va être kiffant. Du fil à retard, mais on aime ça.
ce sera les squats. Je sais que vous aimez les squats, le renforcement au niveau des cuisses, des quadris et tout l'ensemble des cuisses. Ça sera donc des demi-squats. Je vous rappelle, demi, on arrête au milieu et on remonte. Ok ? Il y aura deux demi. Donc quand je dis deux demi, c'est 1, 2, on remonte. Ça fait deux demi. Ok ? Il y aura deux squats. Donc ça sera deux singles. 1, 2, suivi de deux demi comme je viens de vous montrer. On est prêt, on a les cuisses qui sont chaudes, qui sont d'attaque pour cet exercice, pour cette musique. Sur la position, restez gainés et un maximum le dos droit. Quand vous basculez à l'arrière, le poids sur les talons, même si c'est un milieu instable, le trempeau qui fait bouger, ça fait travailler tout ce qui est proprioception, c'est mieux. Essayez d'un maximum d'envoyer vos fesses en arrière. Contractez les abdos pour protéger le dos afin de ne pas creuser. Restez le dos le plus plat possible. Et vous venez de plus en plus en arrière. Et normalement, tout se passera bien. Allez, je vous retrouve tout de suite pour cette musique. On est parti, on est chaud. Ok, les amis, la musique est un peu longue à venir. Mais on est vite parti. Ok. Détendez un peu les cuisses.
Ok les amis, cette vidéo, ça sera des ciseaux. On est d'accord? Quatrième vidéo, des ciseaux. Donc il y aura 4 doubles et 8 singles. Voilà. Il n'y a rien à dire en conseil là-dessus, à part rester toujours bien gainé au niveau de la sangle abdominale. Restez concentré sur les pas et donnez-vous à fond. On est là pour kiffer, on est là pour transpirer. Je compte sur vous pour vous donner à fond. Je sais que vous en êtes capable. Je sais que vous avez des ressources à donner et à montrer. Allez, je vous retrouve tout de suite pour cette vidéo. Allez, on gagne.
regarde, on repart. Ok les amis, cinquième exercice, ce sera sur le côté, les bons sur le côté, c'est-à-dire ça. Il y aura des singles et des doubles. Ok, généralement c'est 4 doubles, 4 fois, single, 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 mais ça je vous le dis au fur et à mesure. Pas d'inquiétude, on va bien gérer cette musique, surtout qu'elle est assez lente, il n'y a pas un rythme énorme à mettre, mais il faut tenir. Allez, je crois en vous, on continue, c'est parti. Allez, on se connecte. Allez, 2-2. Allez. Juste pour prendre le rythme. Allez, que du single. Tranquille. Allez, super. C'est les fentes, renforcement avec les fentes au niveau des jambes. Donc il y aura 4 singles et 4 demi. Donc là je vais faire comme ça. Donc 4 singles c'est normal. Et les demi c'est comme les squats, on remonte à peine et on remonte. Ok. Pour ceux qui n'arrivent pas sur le trampo, c'est la même chose. Vous faites par terre comme nous, enfin comme ceux qui font sur le trampoline. Moi, exceptionnellement, je ne fais pas sur le trampoline parce que j'ai des douleurs au genou et le trampo me fait mal au genou. Donc si vous avez comme moi mal au genou, faites-le par terre. Ce sera mieux. Ceux qui n'ont pas de problème de genou et qui se sentent capables de faire la musique
sur le trampo, avec le pied sur le trampo, il n'y a pas de problème. Sauf que je veux un dos droit quand vous descendez. Votre genou est au-dessus des talons, du talon, et non pas en avant de la pointe de pied. D'accord ? Pensez bien à ça. C'est pareil pour ceux qui sont au sol. Quand on descend, on écarte vachement à fond derrière pour éviter qu'on soit là ou trop là et qu'on soit au-dessus. Réglez bien vos pieds par rapport à ça. Pareil, pour vous équilibrer, vous avez les bras. Alors, il y en a qui vont préférer à l'opposé. Il y en a qui vont faire comme ça. Il y en a, ça ne dérange pas, elles restent sur les hanches. C'est comme vous voulez, ce qui vous paraît le mieux. Vous pouvez faire mieux l'exercice. Tout ce que je veux, c'est qu'on essaie de tenir. D'accord ? On essaie de tenir sur toute la musique. C'est un challenge pour vous. Je ne dis pas que ce n'est pas un challenge pour moi. Moi aussi, j'ai essayé de tenir, malgré mes douleurs au genou. Ok, je le fais pour vous. Et pour moi aussi. Sinon, niveau posture, restez bien droit, c'est important. Pas avancer ni trop en arrière, je ne veux pas avoir les dos. Je ne veux pas que vous ayez les dos cambrés, ce n'est pas le but. Mais restez un maximum droit. Contractez les abdos pour protéger le dos. Et sinon, je vous dis bon courage et on se retrouve tout de suite. Allez, sur du kinji. Bien baba. Allez, position. Allez, on descend. Petit à petit. Oh. Allez, c'est bien les amis. Continuez. Allez, on remonte. Allez, vous êtes prêts pour les 4 singles? 1, 2, 3, 4, 4 demi. On remonte. Allez, 4. Allez, 4 demi. Allez, 4 singles. Ok les amis, dernière musique, cardio, comme on aime, c'est les talons fesses. Talons fesses, je vous rappelle, c'est comme ça, voilà, pour les doux et les simples. Pareil, vous vous aidez de vos bras pour avoir la bonne direction, un meilleur équilibre aussi, puis c'est mieux que laisser les bras en bas du corps, ça occupe.
Donc, sur cette musique, il y aura des doubles. Donc, ça sera deux doubles. Voilà, deux fois. Et quatre singles. 1, 2, 3, 4. Et on repart sur deux doubles. 1, 2, 3, 4. Ok, ça marche. La musique est prenante. Essayez de suivre le rythme de la musique. Ça peut vous aider. Si vous savez plus si c'est double ou single, généralement, au rythme, on arrive à reconnaître double ou single. Ok? On est parti pour la dernière musique. On donne tout. On donne tout. On donne tout ce qu'on a. Comme ça, après, on est tranquille et on est content de ce qu'on a fait. D'accord? Allez, je vous retrouve tout de suite pour cette dernière musique. Dernier effort. Allez, c'est parti, je crois en vous. Allez, dernière musique. Thank you.
signe, allez. Allez, à la maison, c'est dans la tête. Allez, les amis. Allez. Allez, c'est la fin. Rentrez, rentrez. Allez, je suis jusqu'au bout. Sur les vidéos, je les ai pas faites forcément. Excusez-moi, j'ai un peu aussi du mal à respirer comme vous, mais c'est normal. Donc, on va faire quelques étirements tranquillou, parce que à chaque cours, les coachs vont faire des étirements. Je trouve que c'est quand même important, même si c'est pas pour gagner de la souplesse, bien au contraire, c'est pour vous aider à mieux récupérer. D'accord. On va passer tout de suite un petit peu. À des anciens. Alors, je laisse enlever votre trempeau du bas. Allez, tranquillement, pour avoir bien bu. D'ailleurs, je vais boire un coup. En tout cas, j'espère que ça, tout ça vous a plu. J'espère qu'ils vous aideront, ces cours, à atteindre vos objectifs dans la vie de tous les jours, à être bien dans votre tête, dans votre corps. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. J'espère que je vais pouvoir encore vous impressionner avec mes différents cours. Il y en a d'autres qui vont arriver de trempeau. D'accord, j'essaie d'en faire un maximum. Mais je ne vais pas faire que ça. Je voulais faire un petit annonce dans cette vidéo. Je vais me lancer aussi dans les circuits training sans matériel. J'ai fait un sondage sur Instagram. Ils m'ont dit plus les circuits sans matériel, donc je vais essayer de vous faire ça. Donc comme ça vous pouvez changer entre cardio et renfort et circuit, pardon. Sachant que mes circuits, ça va être sous forme de tabata. Donc tabata, on va avoir des secondes à faire d'exercice et des secondes de récup. C'est souvent du 30 ou du 20-10, je sais pas trop, je vais voir. Mais c'est aussi intéressant. Donc voilà, c'est ma petite annonce. On est parti donc pour les étirements. Là maintenant on revient sur les étirements. Allez, on attrape jambe droite, on fixe un point. Allez, on étire tout doucement. Soufflez bien, vous avez mérité. Ok, on passe sur l'autre jambe. Soufflez bien. Vous devez sentir les quadris. Je vous tire dessus. Petit retour au calme, je trouve que c'est important avec la séance qu'on vient de faire. Surtout buvez bien après pour éviter d'avoir des courbatures qui restent longtemps. Ok, on écarte légèrement. On vient sur une jambe, l'autre bien tendue. Le pied vers l'extérieur. On reste droit et on tire. Ok, l'autre jambe, on bascule, pied vers l'extérieur, on tire. Ok, on revient au milieu, on passe en fente et on tire le psoas. On reste droit, on regarde moins devant. Vous pouvez poser vos mains sur les cuisses. Voilà, parfait. Ok. On remonte, on passe au milieu, on fait l'autre jambe. Ok, soufflez bien.
on remonte, super. Refermez les jambes. Passez en croisé. Passez, mettez votre buste vers l'avant. À partir des hanches, vous basculez. Voilà. On regarde devant soi. Pas trop la tête levée. Vous pouvez regarder par terre aussi pour avoir le dos bien droit. Et on tient. Ok, on remonte, on change de pied qui croise et on repart. On souffle bien, on sent que ça tire les ischios derrière les fessiers. Ça peut tirer aussi derrière le genou, les mollets. Ok, on remonte. Ok, on descend à essayer de toucher ses pieds. Si vous ne pouvez pas, vous faites comme moi. Vous faites un maximum. On laisse la tête relâchée. On souffle bien. Ensuite, on monte petit à petit, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête. Ok, on reprend un peu de mobilité. Sur le côté. Voilà. Et je vous remercie d'avoir participé à ma vidéo et je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup, bravo à vous.